Quand j'ai parlé d'un séparatisme, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça correspond à ce que je vous décrivais tout à l'heure? Parce que vous avez des groupes, que j'appelle ces extrémistes violents qui agissent au nom de l'islam et en détournant la religion, qui enseignent, expliquent dans le cadre d'associations, en utilisant toutes les libertés et les droits que la République offre, que notre pays offre. Ils enseignent qu'il ne faut pas respecter la France, qu'il ne faut pas respecter notre droit, qu'il faut en quelque sorte sortir de nos lois. Ils enseignent que les femmes ne sont pas l'égale des hommes. Ils enseignent que les petites filles ne doivent pas avoir les mêmes droits que les petits garçons. Pas chez nous. Je vous le dis très clairement. Pas chez nous. Nous, nous croyons dans les Lumières. Et les citoyennes ont les mêmes droits que les citoyens. C'est existentiel. Et donc, jamais, 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 je n'accepterai une association, quand bien même elle le ferait au nom d'une religion, qui pousserait ses droits. En tout cas, qui dirait, une petite fille n'est pas l'équivalent d'un petit garçon. Elle n'aura pas le même enseignement, on ne lui donnera pas les mêmes chances. Parce que ça n'est pas notre droit. Les gens qui croient ça, qu'ils aillent le faire ailleurs. Pas sur le sol français. Donc je dis, ces groupes-là qui, sur notre sol, veulent instaurer leurs droits, séparer une partie de la société, nous devons lutter contre eux, très clairement. Parce qu'ils décident de se séparer. Ce n'est pas contre les musulmans, je vous le redis, c'est contre ces extrémistes violents ou qui ne veulent pas respecter nos droits. Parce que c'est la clé pour protéger les Françaises et les Français, et en particulier ceux de confession musulmane. Parce que je ne veux pas qu'une petite fille, parce que ses parents croient dans l'islam, ce qui est tout à fait leur droit en France, se retrouve à être prise par une de ces associations et à être ainsi, en fait, maltraitée sur notre sol. Ça, je ne peux pas l'accepter. Donc, quand on a parlé de ce mot séparatisme, ça n'est pas contre quelque religion que ce soit, mais contre l'utilisation au nom d'une religion de certaines pratiques. Et on a d'ailleurs cité d'autres pratiques qui existent aussi sur notre sol et qui sont le fruit ou d'autres religions ou d'autres groupes.